monde, je vous retrouve pour le vlogmas numéro 15. Donc là, ça y est, je suis prête, je suis habillée. Regardez, j'ai mis ma petite sacoche en plus comme ça en bandoulière. Je l'aime trop, en Moot Moot, que j'avais acheté je crois sur le site Modeline Shop. J'ai mis mon écharpe et j'ai mis le bonnet aujourd'hui parce que c'est la tempête clairement. Et je vous avais dit qu'on devait aller se promener en ville, donc c'est ce qu'on va aller faire. Mais je pense qu'on va se geler clairement. Bonnet, écharpe obligatoire, plus manteau que je vais rajouter par dessus. J'ai mis mes bottes aussi de chez H&M. Voilà, mes petites bottes de chez H&M. Et d'ailleurs, j'ai rajouté des guêtres. Les guêtres, je les avais achetées aussi à H&M. Je les avais achetées, mais je crois en octobre, il me semble. Octobre ou non? Ouais, non, c'était octobre. Mon petit pacha. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis les draps à laver là et j'ai mis la housse de Noël de Chine avec les coussins. Vu que ma housse de couette, elle est à laver. Et là, du coup, c'est le drap housse celui-là. Je vous l'avais pas montré installé sur le lit, donc ça rend super bien. Et après, je rajouterai la couette parce que pour l'instant, j'ai juste mis mon plaid et la couette, elle est là. Donc, je rajouterai la housse de couette après. Et je ne sais pas si vous voyez bien. Alors là, il n'y a pas de rafale. Mais des fois, quand la rafale souffle d'un coup, l'arbre, il bouge à 2000. Donc, c'est pour ça que je me suis bien couverte. Parce qu'en plus, on va aller en ville et qu'il y a beaucoup de courant d'air là-bas en basse ville. On va se couvrir pour éviter la catastrophe. Surtout qu'il y a beaucoup de Covid qui reviennent. D'ailleurs, ma mamie va mieux. Merci d'avoir demandé. Regardez, vous avez vu la rafale et d'un coup, ça souffle à Toko. Donc, on n'est pas loin encore des 100 km/h. Et j'ai surtout bien envie de manger mon chocolat. Vu qu'il fait froid, au moins, ça sera fait. On a mangé tout à l'heure tranquillement à la maison. Donc, le 15, il est sur le traîneau à côté du Père Noël. On dirait un sapin avec un Père Noël. C'est un petit canard, mais qu'est-ce que fait un canard à Noël, à part dans l'assiette? Désolée pour ceux qui mangent pas de viande. En tout cas, je mange le petit chocolat. Ça fait guise de dessert. Allez, à demain pour ce calendrier. Et let's go, nous on va en ville. On est arrivé en ville. Quand on arrive en ville. Ils l'ont bien décoré par contre la boutique de mariage. Comptoir de Mathieu, je suis fan. C'est trop beau là-dedans. Chocolat chaud, 4 euros à l'ancienne. Ça me rappelle le Canada, ça. Ouais, avec des marshmallows, je crois. C'est super comme idée, ça. Vous avez plein de choix en plus. Vous pouvez prendre chocolat noir, au rhum, noix noisette, caramel beurre salé, le classique. Et vous mettez des marshmallows dedans. Ça, pour les idées cadeaux, c'est toujours bien. Des gros oursons en guimauve, plein d'épices. Donc ça, c'est trop bien. Les petites crêpes Suzette en bocaux. Vous avez les babas au rhum aussi, les cannelés. C'est alcoolisé. Les vraies herbes de Provence d'ici, ça sent trop bon, ma senti. Ah ouais, sur un steak, c'est royal. Oui, mais avoue que celle-là, elle est belle parce que ça me fait penser à la robe de Cendrillon. J'aime pas de boîte dessus, mais la robe en dessous, elle est waouh. On dirait la robe de Cendrillon, quand tu dois bouger, elle doit briller mille feux. Ça, c'est joli comme boutique. Hein. J'aime bien, moi, quand c'est bien décoré devant. Ah mais tu vois, les 13 desserts de Provence. On est à la fac, on est tombé sur ce livre. Ça s'appelle Les Voyages, je crois. Voyage aux États-Unis. Il est incroyable le livre. Vous avez toutes les astuces au steak. Oui, mais il n'y a pas que New York. C'est en Amérique ou aux États-Unis. Ouais. Oh, c'est trop beau. Regardez, il en avait été. Il a combien? 40 euros. 40 euros, ça va encore? Je m'attendais à 100 balles. T'as même la pochette. Oh, le passerami, c'est trop bon. Ah ouais, ça j'adore ça. C'est trop beau. Tous les trucs LC aussi. Canon, hein? Ouais. Vous avez plein d'idées cadeaux à la FNAC. Regardez comme c'est beau les coffrets comme ça. Les coffrets pour faire les sushis. Je trouve que c'est une trop bonne idée cadeau ça. Ils voulaient Evoli, Goopix et Pikachu en cola. Allez, lustre, c'est joli ce qu'ils ont fait. Ça j'aime bien. Regardez la petite crèche. Le moulin, c'est trop beau. J'entends le bruit de l'eau, ça me repose. Bon, on sort du centre commercial Mayol et on va se diriger tranquillement vers le marché de Noël. On a croisé une abonnée, on fait un petit coucou Doriane si tu passes par là. Elle a reconnu d'abord mon chéri et après moi. Elle nous a dit d'aller tester les madeleines là sur le cours Lafayette. Donc écoutez, je sais pas si ça sera ouvert quand on passera, mais on verra. On va aller voir les stands et les chalets du marché. Ah, et j'ai oublié de vous dire, chez Action, on a trouvé enfin les joints pour les fenêtres, donc on va tester ça. Et ici, c'est pas l'hiver, hein. Il neige au Québec, non, l'automne est même pas passé, quoi. Il y a encore toutes les feuilles sur les arbres. Regardez, c'est ça le petit magasin de madeleine. Tu peux en prendre genre 6 pour demain? Ouais, après j'aurais pu en prendre 3,50€ les 6. Eh, mais j'ai pas de monnaie, faut que j'aille retirer par contre. T'en as? Ah, on aurait pu en goûter quand même. Ça, c'est nature ou citron? On sait pas. Et ça, je sais pas, on dirait qu'il y a même des noisettes dedans. Il y avait plus au chocolat, on a pris 3 citrons, 3 nature. Goûte, hein, moi je vais goûter. Hein. Pourquoi? Moi j'adore ça. C'est simple mais c'est bon. Ouais, les bouteilles de whisky. J'adore cette petite boutique quand on vient à Toulon. Le comptoir irlandais. Je sais pas si vous connaissez. Même les boîtes de Noël et tout en métal, elles sont magnifiques. Elle est trop belle la boutique de loin. C'est bien décoré. Regardez comme c'est beau les chocolats.
Ça, c'est vraiment un artisan. Le sapin, il est tout en chocolat, le renne et tout, ça tombe. C'est trop beau à offrir ça. Les petits pingouins avec les boules. Trop joli aussi. Ah, le gros ours. Regardez le beau sapin sur la place du théâtre. Il doit être plus beau de soir qu'en journée là. Il est pas illuminé. Il est énorme. Pardon. Je trouve qu'il manque de boules. De nuit, ça doit être plus joli. Il est imposant quand même. Je suis bête. Je vous ai dit la place du théâtre, mais c'est la place de l'opéra. C'est l'opéra derrière. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est l'opéra qui est derrière. Regardez ce pyjama. Je ne baille pas, mais j'aère mon esprit. Mes chaussons comme ça, c'est bien fourré. C'est beau. J'aime bien. Moi. Alors regardez là, on arrive par derrière et ça, c'était notre lycée où on était à tous les deux. Le lycée hôtelier Saint-Louis qui est devenu Anne-Sophie Pic. T'as pas la meilleure vue là. Ah bah non, là c'est pas la meilleure vue, je vais vous montrer après, mais ça c'était l'autre côté. Et de ce côté on avait les classes, moi j'étais en espagnol de ce côté et en SVT. Il y a plein d'anciens élèves à nous et les meilleurs apprentis de France médaille d'or. Et lui va participer à Top Chef. Putain, ça fait bizarre, on se prend une claque dans la gueule à 10 ans après. Plus que 10 ans. Ouais, 15 même. On était là sur les marches. Ah oh là là. Ah, ils font la boutique ici maintenant. Avant, ils étaient là-bas. Ah, la boutique, elle est là maintenant. Ah, mais ça aurait été mieux qu'on goûte. Bah ouais, panier gourmand du lycée. C'est ouvert, non, tu penses? Eh non, c'est fermé. Regardez, devant notre ancien lycée, le bateau, ils l'ont tout redécoré en plus. Tout peint. Parce que nous, avant, il était brut. Et vous voyez le lycée au fond. La bière de Toulon. On est rentré dans le marché Noël de Toulon. Bon, on va goûter. C'est du vin. C'est l'heure de l'apéro. Vin blanc chaud. J'ai jamais goûté. Normalement, c'est vin rouge chaud. Donc, j'espère que c'est bon. Bah, toi, l'honneur. À moi, l'honneur. Oh, c'est bon. Ah ouais. Ah, ça change, c'est original. Super bon. Cette ambiance chalet. Quand j'étais petit, j'avais horreur de ça. Ah, bah, moi aussi, mais en même temps, t'es petit, tu vas pas boire de l'alcool. Non, mais pas petit, mais quand t'as 18, 20 ans. Comme c'est beau le soir avec les lumières. C'est joli. Dès que le soir commence à tomber, les lumières ça ressort super bien sur les toits des chalets juste au-dessus de nous là. Vous avez tous les sapins avec les guirlandes bleues. Regardez, plus il fait nuit, plus c'est joli. Je valide. Les lumières c'est tellement joli. Rock it and ride. Du Christmas tree, il y a ma musique. Arrêter dans un petit sushi en face du marché de Noël de Toulon. C'est côté sushi. On a la sauce au gersal et au sucré. Dites-moi quel team vous êtes. Ils sont beaux les petits plats pour mettre les sauces. J'ai faim. Oh joli. Le décor c'est vraiment beau. On s'est pris un petit sauvignon blanc en attendant les sushis. On a des petits sushis. Ça c'est la truffe. Ça c'est les thons cuits je crois, croustillants. Là c'est de la dorade. Et là, c'est moi, les saumons. Il en manque un. C'est délicieux. J'ai goûté celui-là et ça, là, c'est trop bon. Et le chéri l'a pris au poulet, s'il n'aime pas le saumon. Il y a le traîneau du Père Noël en manège sur la place d'Armes à Toulon. Excellent. Le grand sapin. On a trop bien mangé, on n'est pas plein, ça fait du bien. C'est trop joli l'entrée. Je vous retrouve, on a fini de manger les sushis du coup. Ça s'appelait Côté Sushi à Toulon, en face du marché de Noël. On s'est régalé, c'était la première fois que je testais, c'était vraiment bon. Et là, on va au marché de la garde, parce qu'il y a mon frère. Donc on y retourne au marché de Noël. Oh, un beau cadeau sur le rond-point. Il n'y a que des ronds-points et des doudanes ici, c'est un truc de fou. Let's go, on va au deuxième marché de Noël. Parce que j'ai envie d'une petite sucrerie. Parce que là, on a mangé du salé, on s'est réservé pour un dessert. On a fait exprès de pas trop prendre pour pas être trop blindé. Du coup, on a un peu de place pour... Waouh, j'ai vu qu'il y avait une maison qui était archi bien décorée là-bas. C'est rare en plus. J'ai envie de churros ou un truc comme ça. On va voir ce qu'il y a.
Bon, on est rentré du coup du deuxième marché de Noël. Je vous ai pas filmé là-bas parce qu'il y avait beaucoup de monde quand même. Et on a rejoint mon frère, c'était juste histoire de boire un coup. On est repassé au stand québécois parce qu'il y avait le stand québécois. J'adore aller voir les produits, regoûter les produits. Ça me rappelle trop quand on était là-bas. On a bu le sortilège whisky et tout, qu'on adore, le coureur des bois et tout. Et j'ai même pris du vin chaud au sirop d'érable. C'était délicieux, sérieux, on s'est régalé. Et vu qu'on avait déjà mangé les sushis, on s'est pris juste deux bretzels au sucre, donc un chacun avec le chéri, et une manelle au chocolat. Écoutez, donc là, on est rentré à la maison. Je vais aller à la douche et me caler et faire du montage et me reposer. Je commence à avoir mal à la gorge ce matin. J'ai déjà bu un thé et je pense que je vais m'en refaire un. Je pense que ça commence à s'entendre à ma voix. J'espère que je vais pas être malade pour Noël, pour les fêtes, ça serait con. Beaucoup de Covid là hein, qui sont en train de tourner. Ma mamie l'avait eu. Il y a la soeur de mon chéri là qui l'a attrapé. Bref, ça tourne partout. À la gare aussi, beaucoup en ont eu. J'ai juste oublié de vous montrer quand on a été en ville du coup cet après-midi. Regardez sur quoi je suis tombée. Du coup, je me suis fait un deuxième cadeau de Noël en avance. Et c'est pas bien, mais je suis tombée du coup sur la paire de chaussures que je cherchais. C'est quoi? Les fausses Hugg kaki. Au moins comme ça, c'est de la fausse fourrure et tout et tout. Et comme j'ai pas l'occasion, sérieux, depuis que je suis revenue, j'étais même pas allée en ville à Toulon. Donc je suis trop contente d'être tombée dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boutiques moins chères hein, à Toulon. Je sais même plus comment ça s'appelait. Tendance. Il me semble que c'est tendance quand vous remontez le cours Lafayette un peu plus haut. Vraiment bien fourré en plus à l'intérieur. Moi je les ai pris en taille 38. C'est ma taille, ça taille super bien. Elles sont trop belles en kaki. Je les voulais en kaki. Il y avait plein de couleurs différentes. Je suis entre 37 et 38, ça dépend. Mais ça j'aime bien prendre un peu plus large pour être à l'aise dedans. Et je vais mettre ça moi avec des guêtres. Trop cool. Écoutez, moi je vais aller à la douche, ça va faire un bien fou. Là je vais me faire un petit thé et me caler. Regardez certainement, peut-être Starac en replay d'ailleurs. Donc je vous fais des bisous et on se retrouve demain pour la suite des Vlogmas. À demain tout le monde, bye bye, ciao.